je reviens un peu. J'ai du tout peur. Non, par contre, cet objectif est assez incroyable. Vous voyez bien déjà le fait que mon appartement est en bordel. Ça a été le bazar là, ces derniers mois. Et il faut remettre les choses en ordre. Je ne me fixe pas d'objectif en règle générale chaque année, mais plutôt me fixer un état d'esprit, hein, faire le bilan un petit peu sur ce qui s'est passé, faire une petite rétrospective, tout aplanir pour mieux diver dans cette année. 2024, je parlerai toujours plus avec mes mains, surtout maintenant que j'ai cet objectif. Spam! Il va se passer un truc un jour, c'est sûr et certain. Comme vous voyez, je suis en mode je vais courir. J'aimerais bien me remettre tout simplement à la course. Enfin, me remettre à la course. Retrouver les sensations de plaisir en allant courir, pas comme à une certaine période de ma vie. Arrêtez, c'est trop bien. Je suis complètement surexcitée. Mon horoscope aujourd'hui m'a dit que c'était. Aujourd'hui, ça va être bien. Maintenant que j'ai été remplie de chocolat pendant ces fêtes, je vais me remplir d'autres choses, me nourrir d'autres choses. Mais on va commencer déjà par nettoyer cet appartement et faire un petit point ensemble. Parce que là, c'est n'importe quoi. Allez, salut! J'ai l'impression d'être en 2015. You and your medical fuck you up in the decimal. So get you 2 to 3 for residue found in your retinal. And they told me not to be so complex. Coucou. Je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis un certain moment, c'est-à-dire un petit chit-chat, make-up. On va faire un petit peu le bilan, je vais me maquiller, etc. Bref, je me suis fait un petit endroit cosy dans mon appartement. Un truc de musique. Ah. C'est bon, vous l'avez vu? Parfait. Et je vous invite à vous faire un petit thé. Ça va être encore une vidéo un peu blabla. Bon voilà. Vous allez commencer à me connaître. J'aime bien parler. Et là, ça fait quelques mois effectivement que j'ai pas fait de vidéo. Et je me suis dit qu'il fallait que je revienne tout simplement. Que je ne voulais pas laisser mes projets à l'abandon. Que je ne voulais pas la peur gagner du terrain. C'est-à-dire arrêter de faire des choses parce que j'ai peur que mon contenu ne serve à rien. Ce qui est le cas. Mon contenu ne sert fondamentalement pas à grand chose, mais ça me sert à moi. Non, j'ai arrêté le chauffage. Et je sais que ça en détend certains, que ça fait du bien aussi à certaines personnes. Je pense que je vais plus axer mes vidéos sur ce que je fais tout simplement, parce que jusque-là je me cache encore un petit peu. Cette vidéo ne va encore avoir aucun sens. Je vous préviens, mais on s'en fiche, on ne se prend pas la tête, on a dit. Je me cherche encore au niveau un petit peu du storytelling, c'est logique, je consomme énormément de vidéos YouTube, mais je ne trouve pas vraiment moyen de m'inspirer, de m'instaurer une base, parce que la plupart des vidéos que je regarde et que j'apprécie, ce sont des personnes qui ont déjà un petit nombre de followers ou qui sont déjà connues pour une certaine discipline. Or moi, pas du tout, vous ne me connaissez ni Dave ni Nathan. Par exemple, j'affectionne beaucoup les vidéos qui incluent une activité et qui font parler les personnes entre elles, mais j'ai peur que ce soit un contenu qui n'intéresse pas vraiment. Par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo de Match Chamberlain. J'aime énormément cette fille parce que je trouve qu'en fait elle a un contenu qui de base s'apparenterait à un contenu lifestyle, mode, en somme assez classique, mais qui a une manière de parler tellement naturelle qu'en fait on sent toute la singularité de la personne et qui rend en fait son contenu singulier dans les contenus où elle va être. Là par exemple elle a fait, c'est pas un Hot Ones, ça va reposer sur le même principe que Hot Ones où elle part de sa vie, de sujets un peu plus profonds, etc. Enfin on lui demande de dire ce que serait son dernier repas avant de mourir, mais je ne me vois pas vraiment faire ça, enfin du moins j'aurais l'impression que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas moi, parce que ça ne vient pas de moi tout simplement. Du coup là aujourd'hui on va faire un petit micmac, parce que de une on a dit qu'on faisait le bilan. Donc, le bilan de cette année, les objectifs futurs. Alors oui, j'ai un trou dans le t-shirt. Tout le monde ne sait pas s'adapter à la prise de masse. Et en l'occurrence, mon t-shirt n'a pas su s'adapter à la prise de masse. En fait, je me suis rendu compte que je me défoulais beaucoup dans les carnets. Ça fait déjà un bon d'années que je remplis des pages. J'ai inconsciemment pris l'habitude de m'acheter un carnet tous les ans et de noter tout et n'importe quoi dans mes carnets, et c'est un outil fabuleux. Tout à l'heure, je suis tombée sur quelque chose qui m'a beaucoup touchée, et c'était pas plus tard que l'année dernière, mais comment vous dire qu'en un an, la courbe de changement a été drastique, et ce depuis, bah en fait,
tout, je pense que toutes les années de ma vie ont eu un impact foudroyant sur la personne que je suis aujourd'hui. La raison pour laquelle ça m'a marqué, c'est que j'ai l'impression que quand j'ai écrit ce que j'ai écrit dans ces pages, c'était il y a tellement longtemps. Et bref, je vous conseille vraiment de faire ces sortes de petites capsules temporelles où vous vous faites une lettre à vous-même, peut-être pas tous les ans, mais en fait, juste de laisser traîner ça. En fait, j'ai laissé traîner ça et de temps en temps, j'aime bien aller retourner un peu voir dans ce que j'ai écrit parce qu'effectivement, en fait, le carnet est rempli. Hein. Bon, ça me sert aussi d'agenda, ça me sert de pense-bête, ça me sert à vraiment tout. Ça sert en fait de journal intime, donc globalement, le contenu parfois est un petit peu gnan, entre guillemets. Je vois plein d'idées naissantes que... inconsciemment en fait, comme je le pose sur papier, je le concrétise un peu dans ma tête, dans le sens où ça me permet d'y croire, ça me permet de fonder des croyances, d'avoir une, en fait, d'avoir une base. Je vais vous lire une page de livre d'un livre que je suis en train de lire en ce moment, le livre de Thomas Pesquet, Ma vie sans gravité. J'ai toujours un ou deux livres qui traînent et j'aime toujours bien souligner des petites quotes ou quoi, des trucs qui peuvent me servir à moi ou pas. Dedans, il dit: toute bonne progression commence par des racines solides. Quand j'ai lu ça, au début, je me suis dit, mais en fait, je pétais le seum, mais j'avais l'impression de ne pas vraiment avoir de racines, et je me disais, mais en fait, c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à construire ce que je veux construire. Et au final, je me rends compte que c'est complètement faux, parce que en relisant du coup ces petits carnets, je me suis rendu compte à quel point inconsciemment, en fait, en notant tout ce que je voulais accomplir, les changements que je voulais opérer, tout prend énormément de temps pour certains trucs, mais pour d'autres, il y a réellement des choses qui ont changé. Alors, certains pensent à la loi de l'attraction, le fait de manifester les choses pour qu'elles arrivent. Moi, je n'y crois pas particulièrement. À partir du moment où vous croyez en quelque chose, où vous voulez voir un changement s'opérer d'une quelque manière que ce soit, vous allez, le fait d'y croire, vous allez faire des petites choses pour qu'au fur et à mesure, même inconsciemment, pour qu'au fur et à mesure, cela tende vers ce que vous voulez voir apparaître. Et des fois, ça prend plus ou moins de temps. Il y a un travail que j'ai commencé à faire il y a de ça quelques années. Ce sera pas la vidéo là-dessus, mais je commence à me sentir prête à en parler. La raison pour laquelle aussi je me sens prête à en parler, c'est parce que j'ai regardé tout à l'heure une vidéo de Juliette Katz, je crois que c'est ça son nom. Je ne consomme pas spécialement son contenu en règle générale, je vois qui c'est, etc. Et elle a fait une vidéo qui globalement traitait des troubles du comportement alimentaire, enfin de son rapport au corps. Et ça, c'est un travail que j'ai commencé à entamer il y a quand même déjà quelques années et que j'ai vraiment concrétisé l'année dernière, ce qui a fait que aussi l'année dernière ça a été une année très compliquée parce que pour un petit peu dégager toutes les croyances qu'on a sur soi ou qu'on a fondées durant des années, bah forcément en fait ça vient pas d'un coup. Tout ce que vous avez commencé à construire durant des années, si vous voulez déconstruire, ça va prendre aussi un petit peu de temps. Et c'est encore toujours en cours, mais notamment cette année 2023, j'ai dit dès le début de l'année, et je suis partie avec cette croyance en me disant, cette année, je fais un réel travail dessus, mais c'est pas je fais un travail et vas-y, on essaye d'arranger, de bidouiller, de machin. Vraiment, j'ai opéré des changements, c'est-à-dire que pendant toute une période de temps, je ne faisais plus autant de sport qu'avant. Ça passait aussi par, dès que j'avais une envie, en termes de bouffe, d'y aller... même si derrière c'était pas forcément évident. En fait, si vous vous battez pour quelque chose, que ce soit une addiction, parce qu'on parle beaucoup du coup effectivement d'addiction à l'alcool, enfin au tabac, à la drogue, au jeu, on parle de plus en plus aussi de l'addiction à la nourriture, à l'addiction au sport, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire des vidéos, c'est aussi pour voilà mettre ça un peu plus en avant, encore une fois être la personne que j'aurais aimé voir à un certain moment de ma vie, de dire que les choses prennent du temps, quand, encore une fois, quand c'est des choses que vous croyez depuis des années, que moi je me trouve, je me suis toujours trouvée horrible, grosse, tout ça, blablabla, sans forcément des fois en parler, et dans ces moments-là, forcément c'est pas H24, il y a forcément eu des moments où je me sentais très bien, en étant très très fine, mais où ben, forcément j'avais pas d'énergie. Ça va mieux que ce matin, j'ai essayé de pas trop y penser, enfin, toute la journée ça a été un petit peu difficile, dans le sens où j'ai pas arrêté de penser à ce que j'avais mangé ce matin. J'espère que c'est pas trop bruyant à cause de ma voisine du dessus.
Ouais, irritable un peu de tout. La racine du problème n'était pas traitée. La racine du problème, c'était pas mon alimentation, c'était pas la quantité de sport que je faisais, c'était vraiment autre chose. Et en fait, pareil, tout à l'heure, je suis allée courir, parce que j'ai envie de me remettre à la course, enfin du moins de courir différemment, de vraiment faire avec mes sensations, et pas au résultat que cela génère sur mon corps. Et je me disais, en 2024, mon plus grand souhait, ce serait d'être consistante. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Pourquoi ? Ça veut dire... Pourquoi tu veux être consistante ? Genre, en quoi tu veux être consistante ? Et je me disais, je veux être consistante avec mon alimentation, parce que, comme je suis passée par une phase de reprise de poids, etc., j'ai fait des compulsions alimentaires. Dans les périodes de stress, ça arrive que de temps en temps, le paquet de flocons d'avoine y passe. Bon, c'est rien, tu vois, et puis même tout le monde a aussi un peu ses phases. À chaque fois, je me suis retrouvée à aller au-delà de cet événement et à apprendre la chose différemment par rapport à ces compulsions alimentaires. Sur le moment, forcément, en fait, moi, ce qui me fait poser des mots de compulsion alimentaire sur une prise alimentaire, c'est tout l'état psychologique qu'il va y avoir autour de ça et pas uniquement les calories ingérées, parce que aujourd'hui je différencie vraiment les moments où je mange plus parce que j'ai plaisir à plus manger, parce que je suis dans un contexte social, du moment où en fait je mange pour remplir quelque chose et à tout stopper là-dedans inconsciemment. On s'entende inconsciemment, mais pour tout stopper, tout le surplus, tout le stress, à tout couper et à devoir en fait me reposer derrière parce que j'en ai énormément besoin. Mais à chaque fois, j'ai réussi à me relever de ça et à revenir dans des bases saines, de me reposer les bonnes questions, de rétablir de retrouver ma zone de tolérance, entre guillemets. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, la consistance, je l'ai déjà, mais la chose que, et c'est pour ça que je veux faire le bilan avec vous, la chose que je veux pour 2024, plus que tout, plus que n'importe quel objectif, ce serait le fait d'être présente. Voilà. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler de plein de... j'ai trop de choses à raconter et encore je vais divaguer dans plein de choses. Je suis tombée sur un post Insta qui posait diverses questions pour établir un petit bilan très rapide de 2023, appréhender 2024. Je commence à me maquiller parce que je parle beaucoup mais je ne me maquille pas. Au final... Mais de base, je suis pas spécialement une grande adepte de se dresser des objectifs ou de dresser le bilan, etc. Sauf que du coup, j'ai essayé de prendre l'exercice autrement, de m'en servir vraiment comme outil. La raison pour laquelle j'aime pas trop ça, c'est que en règle générale, j'ai trop pris l'habitude d'être trop souvent dans le passé ou trop souvent dans le futur. C'est-à-dire, enfin, la meuf, elle est complètement chez père. J'ai tendance à trop anticiper ou alors comparer tout ce que je fais ou plein de choses au passé, comment c'était avant, etc. Ce qui est complètement absurde. Parce que ce qui compte sur le moment, c'est le moment présent. Alors ça paraît logique, mais c'est quelque chose avec laquelle j'ai de la difficulté tout simplement, et ça je ne me referai pas. Chacun ses problèmes, parce que je sais que ce que je vais dire là, ce n'est pas la solution tout simplement pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre. Je ne peux pas en fait avoir un cadre. En fait, j'ai pas vraiment de difficulté à me contrôler, hein, on va se le dire. Là, j'ai entamé une année encore de cours qui est pas évidente. Il y a beaucoup de travail et l'organisation n'a pas toujours été top. Hein. Ceux qui passent par la même chose que moi voient de quoi je parle. Mais où je me suis retrouvée dans un petit peu un état d'urgence où c'était important pour moi de me dire « Ok, là, Juliette, c'est beaucoup trop, tu as besoin de te reposer, sinon, en fait, tu pars en burn-out. » Et du coup, la seule solution que j'ai trouvée pour le moment, c'était le fait d'être présente. Quand je dis être présente, ça passe par plein de choses. Tout ce qui permet de me renvoyer au moment présent, de faire le point sur « Ok, qu'est-ce que je ressens maintenant ?» Par exemple, quand vous êtes fatiguée, quand vous avez un peu la tête toute brumeuse et vous savez pas trop, faire une pause, aller marcher, ça aide. Faire de la méditation, ça aide. Boire un thé, se faire un goûter, essayer d'être au maximum présente. Et je sais que ce que je dis là, je vais forcément me casser la gueule. Il y a forcément des moments où je vais aller rechercher dans le passé. Je sais que ça va être encore un travail de longue haleine, mais j'ai envie de me lancer pour oser vivre ma vie, tout simplement. En fait, là, je blabate, mais j'oublie même pas les questions que j'ai trouvées. Première question. Qu'est-ce que j'ai appris cette année ? Que je pouvais me faire confiance et qu'il fallait pas trop anticiper. Parce que la plupart du temps, j'anticipe en me disant qu'est-ce que cette personne va penser de moi ? Mais si je fais ça, ça m'engendre ça. Il faut faire. Parce que au plus j'anticipe et tout, au plus en fait je m'empêche de faire des choses, je perds du temps, en plus de ça, je perds de l'énergie. Ça revient un peu à ce que je disais. J'ai envie d'être dans le moment présent. Deuxième question. Qu'est-ce que j'ai accompli et je
Je pensais pas en être capable. Sortir un son, déjà. Me mettre à la musique à mon échelle. C'est-à-dire que je suis pas une professionnelle. Recommencer les vidéos YouTube parce que ça fait un moment que j'y pense et que j'ai envie de m'y remettre. Sans me prendre la tête, sans faire des montages incroyables, blablabla. Je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas une équipe derrière moi, c'est normal. Passer mon année scolaire quand même si ça a été compliqué. Retrouver une relation cohérente avec mon corps. Enfin, du moins, une relation rationnelle avec mon corps. Ça va être très bizarre à dire. Je sais pas encore, peut-être que je vais louper. Récupérer mes règles. Ça va faire 6 ans que je n'avais plus mes règles. Pas évident. Pas très à l'aise d'en parler, bah, normal, c'est mon intimité un petit peu, mais j'en parlerai peut-être autrement. Mais je me suis longtemps sentie pas normale parce que bah, j'avais perdu des règles régulières. En fait, j'étais en aménorrhée tout simplement. L'aménorrhée, c'est quand pendant un certain moment de temps, vous n'avez plus vos règles. Et je commençais vraiment sérieusement à m'inquiéter parce que 6 ans, ça peut engendrer des problèmes. Tout simplement ma santé en fait. Du coup, je me disais peut-être qu'inconsciemment en fait, le fait de pas avoir un corps de femme, de pas avoir un fonctionnement normal, hormonal d'une femme, bah peut-être qu'en fait c'est ça qui fait que j'arrive pas à me comporter normalement avec la nourriture, etc. Mais ça c'est une grosse réussite, so cheers to that. Troisième question. Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a ralenti vers la meilleure version de moi-même? Après ça, je fais une petite pause pour la quatrième question parce que sinon, je ne vais jamais faire cet eyeliner. Ce qui m'a ralenti, c'est vouloir maigrir. J'ai dû reprendre du poids pour le bien de mon corps. Pas 2 kilos. Je ne rentre plus dans certaines fringues, mais bon, ça c'est la vie. Ça ne change rien en fait. Le fait de reprendre du poids, ça ne change pas ma relation aux autres. Ça ne change pas le fait que les autres m'aiment, que j'aime des gens. Vouloir maigrir, ça m'a empêché de faire beaucoup de choses. Ça m'a emmené à me renfermer, forcément. À anticiper, penser à ce que les autres peuvent penser de moi alors que... On s'en fiche, mais alors qu'est-ce qu'on s'en fiche? Moi. Quatrième question. Qu'est-ce que j'ai besoin de me dire, de faire, pour mieux avancer en 2024? Alors j'ai eu un petit peu de temps pour réfléchir à ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de me dire? C'est toujours me dire comment je parle. Il fallait que profondément ce soit des choses qui me fassent du bien en les entendant. Qui fait que je fasse confiance autant en moi-même. L'action, c'était le plus beau des pouvoirs. Qu'aimer est mon plus grand soutien. Je suis là pour apprendre que tous les échecs, tous les petits échecs de la vie, pas forcément professionnellement, que tous les petits échecs constituent la réussite. Il y a besoin d'échecs pour apprendre des choses. Que je mérite réellement les personnes qui m'entourent. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Rester authentique et connaître mes priorités. Reconnaître mes priorités, dont le fait de me respecter était primordial. 5. Comment je veux me sentir en 2024? Soulagée, confiante, créative. 6. Une nouvelle habitude que je voulais intégrer en 2024 pour moi mieux me sentir. Et j'ai pas spécialement d'habitude à intégrer. Je me couche pas à des pas d'heure. J'ai une alimentation relativement saine. Je fais du sport. Prends l'habitude de faire des pauses. Mais ce que j'ai mis moi c'était méditer. Bon, alors ça veut pas dire que je vais méditer tous les jours, mais c'est prendre l'habitude en fait. Bah, de m'accorder ce temps pour ralentir un petit peu. Être à l'écoute de mon corps parce que comme j'ai un rythme assez soutenu avec l'école, j'ai besoin de faire un petit check-in avec mon corps. Et ça je me l'autorise pas. Méditer ça va être même 5 minutes, j'allais dire quand c'est nécessaire. En fait, c'est juste surtout que je veux pas me dire je médite tous les jours. J'ai vraiment envie que ça garde de sa valeur. 7. Qu'est-ce que je dirais à la moi d'il y a un an? De laisser les gens partir. J'en ai déjà parlé, mais ça a été un peu le thème de Blue Sao. Bah, c'est toujours un peu difficile. Bon, ça, c'est comme plein de personnes. Bah, c'est encore un peu difficile. Il y a eu encore des petits événements, tout ça. De la vie privée, de la vie de tous les jours. Hein, tous dans le même bateau, hein, encore une fois. Les gens qui sont autour de toi, ils sont là pour une bonne raison. Que si les gens partaient, c'était aussi pour une bonne raison. Que chacun a sa vie, chacun ses... Même si ça fait mal, même si des fois c'est pas tout le temps forcément juste, entre guillemets, ce n'est pas de ma faute. J'ai écrit qu'il fallait encore une fois faire confiance au temps, en ce que je faisais, que c'était le plus important et que la personne en fait qui est la plus importante dans l'histoire, c'est moi-même. Ma plus grande compagnie, c'est moi, donc j'étais un petit peu honteuse à un moment donné d'être quelqu'un de solitaire, parce que je me disais, bah, en fait, je suis pas normale, alors que je suis très bien toute seule. Et c'est juste de me dire que, bah, en fait, je suis ma plus grande compagnie, donc déjà, si je suis très bien toute seule, si je suis contente de faire les activités que je fais toute seule, bah, va béné ma belle, là.
8. Qu'est-ce que je ferais de différent en 2024? Ce serait respirer. Respirer et prendre des décisions. Parce que la vie en règle générale, la vie d'adulte, c'est prendre des décisions, hein, globalement. Oh putain, il me reste plus que 4 minutes. Bon bah c'est pas grave, je remettrai une autre carte SD. Je suis stressée par le temps qui me reste. J'ai fait beaucoup de choses quand même que j'ai aimé cette année. J'ai fait de la musique, j'ai écrit, j'ai fait du sport. J'ai rigolé, j'ai dessiné, j'ai fait plein de choses. J'ai de la chance d'être dans des études qui me plaisent. J'ai bougé, j'ai vu des gens. J'ai rencontré des gens aussi quand même. Et ça a été très cool. On fait quand même un bilan positif de cette année 2023 qui a été ponctuée de caca. Je vous reprends plus tard parce que là j'ai plus d'espace. Et je dois aller acheter de l'hydrolat pour ma peau. Ouais, allez j'y vais. Salut! Ah ouais, on est cosy là. Pris mon petit plaid. En mode... On est passé par le thé, maintenant on passe par le verre d'eau. Prenez un petit verre d'eau, c'est important. On va passer un petit peu en revue les derniers trucs culturels qui ont été importants à mes yeux. Dont notamment, évidemment, pas mal de musique qui ont marqué ma fin d'année tout simplement. Forcément, je vais vous parler de... notamment de cadeaux que j'ai eus. J'ai grandi avec Jamiroquai, hein, c'est mon papa qui m'a fait découvrir Jamiroquai quand j'étais plus petite. Et depuis, je reviens toujours un petit peu sur les sons du groupe. Cet album étant mon favori, Emergency on Planet Earth, voilà, que je vous conseille vivement d'aller écouter. So politicians, at this time, I think you better keep your distance. Saying loud, we're too young to do 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 da da do da da do da. C'est très drôle parce qu'on a eu un projet d'illustration où on devait faire une statue au milieu d'un paysage et j'ai fait la coiffe de cet album là parce que j'adore la photo. Donc qui regroupe un petit peu les plus gros hits entre guillemets sur différents albums. Que j'aime énormément, c'est Little Sims. J'ai particulièrement écouté cette année, que je suivais un petit peu de loin avant. Je m'étais jamais vraiment plongée dans ce qu'elle faisait. Je trouve que ses paroles, enfin, en tout cas, ses paroles me touchent énormément. J'ai particulièrement écouté cette année No Thank You et surtout I Might Be Introvert. Les sons préférés de I Might Be Introvert sont Introvert. Little Q et James, je crois que c'est. J'ai l'impression de faire de la méditation active quand j'écoute cet album. Et je trouve ça fou parce que quand j'ai écouté cet album en entier pour la première fois, en fait déjà de base ce que j'aime énormément dans notamment les deux derniers albums Café Little Sims, tout l'aspect cinématographique qu'il y a derrière les projets, en fait j'ai l'impression de voir un film, en fait comme je suis une personne déjà de base très visuelle, j'ai l'impression d'avoir des images devant les yeux et d'être plongée vraiment dans quelque chose, d'être plongée dans moi-même, et je trouve ça incroyable de pouvoir ressentir ça sur le travail de quelqu'un, et je me dis qu'en fait c'est possible de créer quelque chose et que des gens connectent autant à un projet que de quelque manière que ce soit, de manière très personnelle, mais je trouve ça fou. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais la pochette d'album, je pensais que c'était une silhouette de femme. Donc c'est une silhouette de femme. Et je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais tilté que c'était elle et qu'elle était penchée comme ça. J'ai toujours pensé que c'était une silhouette de un corps de femme, donc je ne sais pas si c'est fait exprès. En plus, la pochette d'album est incroyable. Peut-être que je vais trop loin, parce que c'est de la branlette, je n'en sais rien. Voilà, ça fait partie de mes favoris de cette fin d'année. Kingdoms on fire, the blood of a young messiah. I see sinners in a church, I see sinners in a church. Sometimes I might be introvert, there's a war inside. I hear battle cries, mothers burying sons, young boys playing with guns, the devil's a liar, fulfill your wildest desires. Now I don't wanna be the one to doctor this, but if you can't feel pain, then you can't feel the opposite. The fight is...
son album plus récent, No Thank You, mais son préféré c'est Gorilla. Le clip est incroyable, il y a plein de références hip-hop, vous les verrez peut-être ou peut-être pas. Moi j'ai pas tout déchiffré, j'en avais que quelques-unes, mais du coup je trouve vraiment le clip génial. Aussi le son Broken, c'est un son qui d'apparence est triste, qui je trouve redonne une force dans un petit peu la mélancolie qu'on peut avoir au quotidien. Aussi, redécouvert cet été et redécouvert là plus tard en fin d'année, c'est No Name, notamment l'album Sundial. Mon son préféré, c'est une interlude et c'est Potentially the Interlude. Mais un extrait, je vous invite à l'écouter évidemment. L'extrait parle de lui-même. Un artiste que j'ai beaucoup écouté cette année, c'est Tyler the Creator. Mon album préféré de cette année, ça aura été pas Call Me If You Get Lost, même si j'aime énormément cet album. Mais celui que j'ai réécouté, notamment dans les moments un peu plus difficiles, ça a été Igor. Je pense que je vais pas être très originale en disant ça. Très rigolo parce que Tyler the Creator, je l'ai découvert avec Tamale, le son Tamale. Je crois que c'était en fouinant sur YouTube. Et je l'avais vu au Festival Cabaret Vert en 2015 peut-être. Enfin en fait c'est très rigolo parce que. Enfin d'avoir vu en fait un peu l'évolution. Je trouve que c'est des artistes comme ça qui te donnent envie tout simplement de faire des choses parce qu'ils te montrent la palette des possibles et c'est vraiment très motivant. Je sais que en montant cette vidéo, je vais repenser à plein de choses. Je vais te l'emmener. Pourquoi t'as parlé de ça? C'était évident. Ici la Juliette du montage. Alors, évidemment que j'ai oublié des choses. J'ai beaucoup regardé des clips cette année et j'ai découvert la production Exit Prod qui fait notamment les clips de Makala. Ça pète sa mère. Tu dis qu'on est... Makala que j'ai vu au concert de Varnish la piscine. Varnish la piscine. Personne n'en parle. Weston flex dans mon élément. Being straight dans tes sentiments. Nègre t'inquiète pas, la balle est dans mon camp. Dans 30 secondes elle finira dans ta tente. Avoir ma gueule il fait un temps de merde. Désolé, je suis juste impoli quand je vois tout le temps que je vais perdre à t'écouter. Des gars causés par un missile. Je kifferais niquer le Mississippi. Ça va grimper fort. Donc je suis allée voir aussi, petit concert, les gars profiter des artistes comme ça qui font encore des petites salles, c'est genre fabuleux. Mes bénéfices arrivent les nerfs à vivre, bitch, pour ce pas de tout bip, tous les jours en roue libre, c'est ce qu'on m'a dit, de toute façon je connais l'adresse, 3-0 passe la manette, go, bang bang, no stress, way vite dans le tempo, jamais de la vie, je le sais, ils le savent qu'ils m'ont rien appris, jamais de la vie, jamais. Bref, les clips de Exit Prod, vraiment. Doja Cat, évidemment, comment ne pas parler de Doja Cat? Déjà, de base, je l'adore, mais en plus, le retour qu'elle a fait, je suis encore plus dedans et j'aime beaucoup plus la DA qu'elle a pris maintenant. Il y a eu aussi une découverte que j'ai faite, Belle Cobain, je sais pas comment on dit, une anglaise. Je me suis vraiment retrouvée très touchée par ses paroles et son style musical. Je vous mets un extrait, je vous en dis pas plus. Moments heavy, love is all anything I've been asking for. Sidestep through the leaves, follow you when you leave. Translating the feelings when you're looking at me. Red light, dirty liquor, I'm a bird and a beast. Names exchange, loving on your brain. When we going back, tell me how long you wanna stay. Dancing under light, running home in the rain. Kisses on my face, hands up on my waist. No time, like did you put something up in my wine or my lips on my head. Et il y a eu évidemment l'album de Lil Yachty et notamment le son Drive Me Crazy que j'ai écouté tout cet été. Voilà, c'est tout. Moi je vous laisse avec le reste de la vidéo.
En termes de films qui m'ont marqué récemment, je suis allée voir quelques trucs au cinéma. Franchement, il n'y a rien de spécial qui a fait l'effet d'un wow sur moi au cinéma là dernièrement. Ça a plus été dans les choses que j'ai revues. J'ai revu évidemment Les Demoiselles de Rochefort. Je n'en parlerai jamais assez. Un de mes films préférés, parce que je ne dirais pas que c'est mon film préféré. Mais au niveau de la musique composée par Michel Legrand, l'univers, les personnages, tout, ça fait partie aussi de la nostalgie, mais c'est un de mes films phares. Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hantent les musées, les adolescents. Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants qui trottent dans ma tête. Et dans ce temps rêvant, sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille, que le vent de la mer et le soleil chamaillent. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Il pourrait nous parler de ses yeux, de ses mains. Il pourrait nous parler d'elle jusqu'à demain. Il a cherché partout, il ne l'a pas trouvé. J'ai revu aussi Akira. Akira, je l'avais vu au cinéma, je l'avais vu à la Cinémathèque de Bruxelles. Et je l'ai revu récemment. Et j'avais encore oublié à quel point c'était un chef-d'œuvre finalement. L'animation, l'univers, les couleurs. Quand tu te dis que ce film a été fait sans 3D, c'est un peu zinzin. Et c'est la Juliette du montage qui profite d'un magnifique arrêt sur image pour vous conseiller d'aller voir Mars Express. C'est un film que je suis allée voir entre temps et c'est un film d'animation français en 2D. Et c'est super intéressant parce que vous avez plein de making-of disponibles en ligne pour voir comment a été produit le film. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup c'est un film qui n'a pas eu le même budget que les grosses productions. Et en plus de ça, c'est un film qui a été produit pendant la période de confinement. Du coup, je vous conseille d'aller le voir. Ça soutient le cinéma français, en tout cas en partie d'animation, vous passez un bon moment, c'est un film qui fait aussi réfléchir, et en plus de ça, je trouve que d'un point de vue graphique, c'est un film dont on n'a jamais vu une esthétique pareille, du coup c'est plutôt intéressant. Voilà, du coup je vous conseille d'aller le voir, et puis évidemment, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, ça me ferait très plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres? En termes de livres, je crois qu'il n'y a pas énormément de choses. C'est plus des lectures un peu personnelles sur le développement personnel, mais pas tant. Comment être plus vague? Ah, en termes de podcasts, oui, je voulais parler parce que c'est pareil, c'est des choses que j'ai écoutées récemment. Il y a une nouvelle table ovale qui est sortie de McFly et Carlito sur l'avenir de la planète. J'ai écouté du coup les deux précédentes sur le bonheur avec Joyka et Cyrus North et l'autre sur l'amour avec, je ne sais plus, la psychologue et Cyrus North aussi. Moi, je prends toujours avec des pincettes tout ce qui est contenu développement personnel. Je trouve que c'est un outil incroyable. Tout le monde a des avis divers et variés, comme quoi ça renferme les personnes. Alors moi, tout ce qui est travail sur soi, je suis pas d'accord sur le fait que ça renferme les personnes et que ça empêche les gens d'aller vers les autres. Tout ce que j'investis dans moi, je considère que je l'investis aussi pour les autres. Ça me permet d'avoir des meilleures relations aux autres, de mieux accorder mon temps en fait aux autres, parce que moins je travaille sur moi, plus je me sens mal et plus mes interactions vont être un peu à chier, plus je suis dans un cercle vicieux. Donc ça, après, c'est très personnel à chacun, mais je trouve que ça peut aider. Ces podcasts, je trouve, étaient particulièrement bien parce que il n'y avait pas, je vais pas dire qu'il n'y a pas de gnangnan, et c'est très difficile parce que aujourd'hui, quand on parle
de choses un peu plus personnelles, d'expériences ou quoi, ça peut très vite tomber dans la critique du superflu, en mode comme quoi, bah, c'est logique que si tu fais ça, tu tombes dans le burn-out, si tu fais ça, tu tombes dans la dépression, etc. Et pourtant, je trouve que ce type de contenu, je trouve qu'ils sont cruciaux, en fait. Et forcément, il n'y a pas de réponse, c'est propre à chacun. Mais où ça fait du bien de rentrer certaines choses. En tout cas, pour moi, je trouve que ça fait du bien. Voilà, j'ai fortement apprécié les dernières tables ovales et toute cette nouvelle era de McFly et Carlito. Encore une fois, je suis une grande consommatrice de YouTube, du coup. Je suis toujours un petit peu aux aguets sur les contenus, sur le storytelling, etc. YouTube, ça a toujours été ça. C'est... De base, on suit des gens parce que c'est des gens comme nous, tu vois. Ça fait du plaisir aussi de voir, pour certaines personnes, de voir leur influenceur, enfin leur influenceur, je dis ça comme si ça leur appartenait, monter, faire des choses de plus en plus produites, mais c'est pas ce sur quoi YouTube est basé au départ, à part pour les clips ou les rediffusions d'émissions. Du coup, je ne sais pas où ça va aller. J'ai encore beaucoup trop parlé. Il est temps pour moi de vous laisser. Je ne sais pas encore si je vais rajouter des petites choses à ce vlog, ce chit-chat, ce blabla. Ça va être une longue vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir autant que moi ça me fait plaisir. J'espère vous faire du contenu prochainement. Et si je vous en fais pas, vous inquiétez pas, c'est que j'ai juste pas le temps et... Et peut-être que je doute aussi, je n'en sais rien. Le fin mot de cette vidéo. Parce qu'il faut une petite morale à la fin de cette vidéo là quand même. Attends, faut pas déconner non plus. Bah continuez à créer des choses qui vous plaisent. Continuez d'être dans le moment présent. Si vous sentez que vous vous regardez trop dans le passé, vous anticipez trop, arrêtez-vous 2 minutes. Faites un truc qui vous fait kiffer, juste vous, avec vos proches, avec machin. Chacun a plein de ressources. Si vous pensez que vous n'en avez pas, c'est complètement faux. Vous en avez, sûr et certain. Continuez de vous nourrir physiquement, culturellement parlant et socialement parlant. Très important. Et moi je vous fais un truc plein de bisous. To get down there.